Salut. Et salut tout le monde, c'est Nkomaifa. On se retrouve pour une nouvelle série sur cette chaîne qui est nommée Davik's Venture, nommée Star Wars du pouvoir de la force. Cette série présentera différents personnages, notamment Dark Vador, et le fameux personnage tant attendu est présenté dans ce fameux trailer dit présenter l'apprenti de Dark Vador, Dark Starkiller. Donc il ne faut pas mélanger l'apprenti de Vador et son histoire avec l'univers canon. Comme vous le savez, il y a deux univers différents. Un canon, un légende. Le canon, c'est l'officiel après la sortie du Star Wars 7, le réveil de la force. Et le légende, c'est ce qui n'est pas officiel. Je veux quand même vous présenter cette histoire parce que je la trouve très intéressante et elle vaut la peine d'être vécue. Allez, nous allons lancer cette magnifique partie. Pas trop blablater. C'est parti. Seigneur Vador, nous sommes tombés dans une embuscade à notre arrivée, mais j'ai la situation bien en... Je n'ai que faire de vos problèmes de stratégie, commandant. J'ai moi-même une mission à remplir. Et donc, nous jouons le très célèbre Seigneur Vador. Nous allons éliminer des gens
notamment un Jedi, comme vous l'aurez pu remarquer. Alors, si je peux me permettre, je trouve que c'est stylé de pouvoir jouer Vador. Moi, je trouve ça... Oh, c'est trop stylé, hein, Ok. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut tuer ses potes, ses alliés, regardez. C'est trop bien. Ah oui, accessoirement, on peut utiliser la force. Donc on peut les balancer comme ça. C'est cool. Et le plus stylé, c'est de pouvoir utiliser la force brute et tout ravager sur son passage. Ça, mon gars, tu respectes. Tu respectes. Alors, on va pas s'éterniser à tuer des milliards de Wookiees, hein, même si j'aimerais bien au passage. Bref, j'ai trouvé ce petit jeu très intéressant et je pense que je me le devais de vous le montrer. Comme pour ceux qui sont sur la communauté, vous le savez, je fais ce qui s'appelle des Star Stories. Donc des histoires, je parle un petit peu d'histoire de Star Wars, du côté légende, qui est pas super connu. Néanmoins, il y a des youtubeurs comme... certains youtubeurs qui essaient de partager cet univers légende, et du coup je participe également, je pense, à essayer de vous transmettre ce savoir qui n'est pas... beaucoup développé, enfin qui n'est pas beaucoup connu, je veux dire. Bon, néanmoins maintenant beaucoup plus qu'à l'époque, mais ça commence à se démocratiser de plus en plus les vidéos sur l'univers légende. Mais je trouvais ça intéressant de pouvoir vous partager un jeu qui traite de ça, une histoire que je trouve très intéressante, c'est-à-dire l'histoire de l'apprenti de Dark Vador. Donc moi je vais traiter l'histoire un petit peu différemment, comme j'ai la version Sith, comme je trouve que la version Sith n'est pas beaucoup présentée. C'est pour ça que je l'ai pris cette version-là, pour être entre guillemets, pouvoir vous présenter cette version qui n'est pas beaucoup présentée. Et du coup, j'agirai en fonction de mon envie, car nous allons jouer un petit peu le côté obscur, quoi. On va pas la jouer côté lumineux. Enfin, on va agir de façon logique. Vous comprendrez pourquoi au moment venu. Or, si jamais t'as la flemme découper un mec en rondelles, tu le prends et tu le balances comme ça, et puis voilà. Et tu récupères sa vie, tu aspires son âme, voilà. C'est bien. Et toi, je comprends pas les Wookiees, qu'est-ce qu'ils veulent faire contre Vador, quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire contre Vador? Y'a aucune chance. À moins que vous êtes suicidaire. Faut vraiment être con pour s'affronter à Vador. Sauf un Jedi, et encore. Allez, bonne nuit! Faites beau rêve! Wookie! Ah, c'est trop drôle, regardez, c'est trop bien! On va sauter tout le pont! J'ai explosé tout le pont! Il ne restera bientôt plus rien de ce pont merdique créé par les Wookie! Ah oui! C'est parti, défonçage. Alors, on en est où là? Je pense qu'on a déjà fait un petit peu près la moitié du chemin. Ça ne dit pas que vous n'arrivez pas à buter des Wookiees, quoi. Sérieusement. L'espèce la plus facile à buter de la galaxie. En tant que seigneur, c'est évidemment. C'est qu'un simple humain lambda, sans aucun pouvoir, ça vaut pas la peine. Ce qui est bien, c'est quand ils sont à terre, tu peux les transpercer. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. C'est génial. Ça pousse le RP à fond. Et ce jeu est très intéressant parce qu'il développe la faculté d'utiliser la force. À l'époque, c'était une révolution. Parce que juste le combat corps à corps, là, tu peux vraiment utiliser la force. Et l'utilisation de la force est beaucoup plus développée dans ce jeu. Ce que je trouve réellement intéressant, personnellement. Alors... Ah, des Wookiees. Bonne nuit. Ah, d'accord. Tu veux la jouer gros dur? Bah, tu vas mourir gros dur. Ah, tu me fais pitié. Pff. Alors. C'est fou ce qu'il est solide, votre pont, hein. Un coup de force et c'est réglé, hein. Allez! Ah.
Ouais, quand même tu peux un petit peu plus consolider votre pont, quoi. Mais vous êtes sérieux? Le mec il se suicide quoi. Mec, tu te suicides contre. Non, mais c'est pas possible. Ah là là. Faut qu'il revoie les effectifs de l'Empire, hein, parce que. Ou leur méthode d'entraînement, parce que ce n'est pas très très correct tout ça. Eh bien ici, bonne nuit. J'aime bien les balancer. Crois comment j'ai transpercé. Ah, un rebelle. C'est une partie très intéressante quand on joue Vador. Les mecs, quand vous sautez, mais vous êtes débile, hein. Je sais pas si vous êtes intelligent ou si vous avez un QI environ inférieur à 5. Parce que très franchement, sauter en présence d'un seigneur Sith, c'est du suicide, hein. Ça fait temps que vous le remarquez. Voilà. Oh, ça me gave. On va en finir rapidement. Comment il s'acharne, c'est fou. La puissance, la force est avec moi. La puissance de ce coup. Allez, goodbye my friends. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas d'amis. En tant que Vador, je préfère tuer des gens que me faire des amis, tu vois. En tant que Vador. Ah. Ça fait du bien pour se défouler, hein. Allez, faites vos rêves. Enfin. C'est pathétique. Quelle désolation. Ah, symbole de la République. Ah, des Jedi. L'ordre Jedi. Seigneur Noir, quoi que tu cherches, tu ne le trouveras pas ici. Ben si. Ton ne peut pas me tromper, Jedi. Pas franchement pouvoir affronter Vador, toi. Oula. Ah, tu peux pas tirer la force sur lui. Ok. Attendez. Ça c'est stylé. Ça c'est intéressant. Nul. Attendez, mieux que ça qu'un Jedi. Hein. Mieux ça d'un Jedi, quoi. C'est nul. Ici. Le Jedi. C'est trop facile. Allez. Oh, il me fait pitié, sérieux. Ici. Que j'en finisse avec toi. Ah! Ah non, là, il rigole plus. Il a plus envie de rigoler. Mais c'est pas pour autant que tu vas survivre. Bonne nuit. Belle balade. Vole bien. Meurs bien aussi. Apprends à viser, hein. Ça va peut-être temps que t'apprennes à viser. Ah oui, c'est vrai, tu vas mourir, tu pourras jamais. Quel dommage. Oh putain. Qu'est-ce que je t'ai dit, apprends à viser. Purée, c'est pas viser, hein. C'est nul, hein. Vivement que Jedi soit totalement en voie d'extinction, parce que franchement, c'est pas ça. Ceux qui ne comprennent pas, j'essaie d'imiter. Je suis à fond dans mon rôle là.
Tuer des Jedi, c'est trop bien. Allez, bonne nuit. Que c'est facile. Allez, hors de ma vue. Sale Jedi. Goodbye. Dégage. Quelqu'un de beaucoup plus puissant est ici. Où se cache ton maître? Le côté obscur a obscurci ton esprit. Tu as tué mon maître il y a des années. Et maintenant, tu vas connaître le même sort. Un fils. Cours! Seigneur Vador... Avec moi, il va en arriver d'autres. Tu étais faible quand je t'ai trouvé, mais ta haine t'a rendu beaucoup plus puissant. Enfin, le côté obscur est ton allié. Lève-toi, mon apprenti. Quels sont vos ordres, mon maître? Ta formation sera bientôt achevée. Il est temps, tu vas passer une première épreuve. Vos espions ont localisé un Jedi? Oui, maître Ram Kota. Il a attaqué un chantier naval de l'Empire. Tue-le et apporte-moi son sabre laser. Je pars tout de suite, maître. Ne révèle pas ton existence à l'Empereur. Ne laisse aucun témoin. Tue tout le monde à bord, les impériaux et les hommes de Kota. Comme vous voulez, mon maître. Ah, maître! Encore un très beau duel. Proxy. Je ne m'y attendais vraiment pas. Ça fait des années que je n'avais pas fait ce programme d'entraînement. Je le croyais effacé. Ah, en utilisant un vieux module d'entraînement, je pensais profiter de l'effet de surprise pour enfin vous tuer. Mais j'ai encore échoué, désolé. Je sais que tu réessaieras. Tu paieras quoi, je dois dire. Évite les embuscades. Proxy? Ah oui, votre nouveau pilote est enfin arrivé, maître. Elle est pas mal, j'accède, hein. J'accède aux archives impériales. Capitaine Juno Eclipse, née sur Corulag où elle est devenue le plus jeune élément jamais accepté à l'Académie Impériale. Pilote de combat décoré avec plus de 100 missions à son actif, elle a dirigé les opérations de bombardement de Kalos. Le Seigneur Vador l'a placée à la tête de son escadron Noir 5, puis elle a été affectée à une mission top secrète. Est-ce qu'il y a aussi un profil psychologique? En fait, oui. Mais l'accès est interdit. Oh, maître, ce dont je suis sûr, c'est qu'il sera impossible de la reprogrammer. Tu sais pourquoi tu es ici? Oui, mes ordres sont clairs. Je dois veiller au bon fonctionnement du vaisseau et vous conduire là où vos missions l'exigent. Vador t'a dit qu'il avait tué notre dernier pilote. Mais je suppose que s'il l'a tué, c'est rassurant. Il a sûrement une excellente raison. Ça va aller. Tant mieux, j'en ai assez de toujours former des pilotes. Qu'as-tu fait à mon vaisseau? J'ai pris la liberté d'améliorer la batterie de senseurs du Rogue Shadow. Vous pourrez espionner tous les vaisseaux présents dans un système donné. Vous êtes un espion de Vador. La seule information que tu as besoin de connaître, c'est notre destination. En l'occurrence, nous devons nous rendre sur Nar Shaddaa. Tu peux t'en occuper? Ah, Nar Shaddaa. Bien la sûr. La fameuse planète. Trop bien là-bas. Référence à The Old Republic pour ceux qui connaissent.
Axis Prime, Planète des Rakata. Il me semble. J'aime bien la musique. La préhension de force est l'un de vos pouvoirs fondamentaux. Pour saisir un objet, maintenez clic droit enfoncé. Ces gens utilisent QZ, QSD pour se déplacer. Bien que vous remarquez qu'il est impossible de se déplacer tout en utilisant. D'accord. Maintenant, montrez que vous maîtrisez ce pouvoir. En utilisant l'objet pour faire folie en éclats, ces trois baies vitrées. Oh yeah! Attends. On va dire que ça marche. Voilà. Oui, je l'ai balancé, et alors? La préhension permet aussi de saisir et projeter un objet. Appuyez longuement sur clic droit pour saisir un objet. Orientez-le avec ZQSD dans une direction. Lâchez clic droit et l'objet sera projeté dans cette direction. Oh putain, c'est trop bien! Alors. Ok, bon, c'est pas ça encore. Oh, et si on les bute comme ça? Ah non, pas. Non. Viens ici. Hein? Ils sont très crédibles, les cris. Hein. Tu vas mourir? Merci. Toujours pas mort? Résistant. Ah, il va faire partie de la résistance bientôt. Lui. Voilà. Bien joué, maître. Si on avait terminé avec ce module d'entraînement. Voulez-vous le relancer ou continuer? Enfin, on va dire continuer. L'espace. Proxy, montre-moi la cible. D'après les archives impériales, Maître Ram Kota était un général très respecté pendant la guerre des clones. Tu chasses les Jedi. Je conduis les ennemis de Dark Vador devant la justice. Et toi aussi maintenant. Allez, Proxy. Maître Kota était un grand stratège, mais il pensait que les clones n'étaient pas faits pour le combat. Il disposait donc de sa propre armée. Il n'y avait donc pas de clone avec lui quand l'ordre 66 a été donné. Et après l'ordre 66, il a disparu. Les archives officielles impériales indiquent clairement qu'il est mort. Dans ce cas, pourquoi s'expose-t-il en attaquant l'Empire? Il veut qu'on le trouve. Alors on va droit dans un piège. Combien de pilotes avez-vous perdu avant moi? 7. Parfait. Très rassurant. Nous mettons le cap parfait, sur l'Archada. Okay. Passage en vitesse lumière. Verrouillez le centre de commandement et activez le projecteur holographique. À vos ordres. Demandez à toutes les unités de se déployer et d'attirer les forces ennemies vers nous. Charge explosive au niveau 2, 5 et 12, comme prévu. Général Kota, le voilà. Enfin, tu sors de ta cachette. Désactivez le champ de protection du hangar 12 et dites à nos hommes de se mettre en position. Oui, général. Il semblerait qu'il y ait des petits bugs de... Oh bon, après ça. Et donc, les gens, vous verrez la suite dans le prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, dites ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, les gens. Allez, à la prochaine.